Tartine. Petite. Attends, mais on n'a pas déjà fait le N de anniversaire? Il y en a deux, je crois. Ouais, et un seul à analphabète. Tartine. On va dire les enfants, ça c'est du pilage, hein. Ça me fait plaisir, vous avez pensé à mon critérium de vélo? Je vais les piler, hein. 200 watts par cuisseau, j'ai un rapport pour puissance de dingue. Bon, je vous laisse, j'ai les poteaux qui viennent me chercher. Non, mais tu manges l'anniversaire de maman, là! Anniversaire? Putain, ça fait 10 fois qu'elle me demande d'oublier, alors du coup, moi je me suis souvenu d'oublier. Oh putain, putain! Trop chou quoi. Et pourquoi vous ouvrez pas là? Parce qu'il y a personne? Bah ça a zoné non? Ah non, moi j'ai rien entendu, Jules. Moi non plus. Non mais viens un petit déjeuner, on verra après. Hein. Attendez, j'ai pas rêvé, j'ai entendu sonner non? Non non pas du tout, fais attention maman, sinon les tartines elles vont ramollir. Ouais. Attendez, non non mais deux minutes, je vais vérifier parce que je vous assure vraiment j'ai entendu un truc. Et merci mes amours. Arrive, arrive, arrive. 3, 4. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, Isa. Waouh! Merci les gars! Merci d'y avoir pensé, vraiment ça me fait super plaisir. Arrête Michel. Vraiment, en plus il y en a qui habitent loin, donc bel effort. Ah, je te jure, c'est chiant. Vraiment. Et bah, ça me touche beaucoup que vous soyez là pour mes 27 ans. Non, elle n'a pas 27 ans. Bon, je vais m'habiller parce que je me sens pas super présentable, mais merci. Oh, hein. Bah non, dommage. T'es lourd, Michel, sans déconner. Merci, Minou, tu mets la barre haut. Hein. Ah, bah, c'est pas fini, tu vas t'en souvenir de cette journée. Ah, Alice, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, on doit bosser un devoir d'histoire avec Letty, donc. D'accord, bah, je t'en prie. Merci. Très très bonne idée de les avoir mises en binôme. Je pense qu'elles vont avoir la première note de l'histoire en dessous de zéro. Mmh. Comment ça se passe? Vous passez la journée avec nous ou... Non, 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 ils vont y aller là. Merci, hein. Très sexy. Ah. Bon, les gars, je suis désolé. Hein. C'est sans moi aujourd'hui, d'accord? Faut y aller là. Oh, non, mais elle est chiante, Isa. Oh, t'es lourd, sans déconner, Michel. T'es avec moi ou pas? Allez, merci, les amis. Personne n'a d'idée. Ah ouais, et pourquoi tu emmènes pas au musée des objets manufacturés? Il y a une nocturne en plus. Non, on cherche pas un cadeau pour toi là, Jules. Ah, je sais. Maman, elle adore la musique, non? Oui. Et bah, amène-la voir en concert. Bah oui, bah t'as raison. Attends, le premier concert qu'on a vu, c'était les Why Not Maybe. Tiens, trouve là-dessus, là, Why Not Maybe, là. Je me souviens, c'était notre groupe préféré quand on s'est rencontrés. Ah, j'ai... Attends, vas-y. Vas-y. You make me Ah ouais. Attends, par contre, attends, ils ont pas fait de concert depuis 91. Ils sont certainement morts, les Why Not Maybe. Hein. Mais non, moi je les connais, les Why Not Maybe. Mon parrain, c'est le meilleur pote du chanteur. De James Gonzalez. Ouais. T'es en train de me dire que tu connais James Gonzalez? Oui, je connais James Gonzalez. Elle arrive! Ah, mais casse-toi, toi! Elle a monté? Non, elle est jamais descendue. C'était un exercice. Chut. On va maintenant analyser les erreurs que vous avez commises. Papa, tu pèses une tonne, faut pas que tu sautes derrière le canapé. Oui, oui, bah ça va, j'ai compris. Alors, Alice, tu trouves le numéro de James Gonzalez. Ok, Laetitia, tu t'occupes de réunir les amis de maman. Jules, tu t'occupes de Terre. Et toi, Paul, tu t'occupes. D'Alice! Non, tu files un coup de main à ta sœur, on a besoin de monde. S'il y a James Gonzalez, faut que ça pète là. Ouais, mais nous, on a un devoir à faire. Ouais. Bon, Jules, tu leur files un coup de main. Yes, et je peux aussi faire les équations de Paul? Eh, hey, tu me fais flipper, hein, je te jure, sans déconner. Bon, moi, je m'occupe de trouver une salle. Et si on a James Gonzalez, merci, hein, parce que là, oh, votre mère, elle va mourir, et puis après, elle va ressusciter, et après, elle va remourir, elle va re-ressusciter, et puis après, elle va remourir, elle va re-ressusciter, ça va être bon, ça. Eh, non, laisse tomber, elle se tape que des bad boys de 10 ans de plus qu'elle, alors toi, avec ta vieille mèche, là, ton petit zizi et ton physique de planche à repasser, bah, tu vas pas aller loin. Bah, allez, c'est pas grave, t'inquiète, on va aller trouver des potes pour maman. Chérie, c'était vraiment super ta surprise, j'ai adoré. Mais là, je suis au deuxième N de l'anniversaire et franchement, je calme. Je suis obligée d'aller au bout. Non, c'est bon, t'inquiète. Ah, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille sur la résistance 39-45. Et je peux dire que j'aurais fait un sacré bon résistant. Ah ouais? Attends, c'est pas du tout le programme de 6ème, ça? Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Joyeux anniversaire, maman que j'aime. Oh, merci, mon lapino. Non, non, attends, bien tenté, mais non. Pour qui tu travailles? J'espère que ça va marcher. Ouais, il y aura plus de monde. J'espère qu'il y aura plusieurs personnes. Ouais, c'est ça, le début de Star Wars Raven. Eh, faut vraiment que je me remette à la gratte, hein. Paul? Ouais. Ta gueule. Hé,
Hey, vous vous foutez de moi là? Ça vous dérange pas que Julie fasse votre exposé pendant que vous vous glandez sur l'ordi? Franchement, si c'est pour faire ça, Alice, tu peux rentrer chez toi. Hey, dis donc, poupée, tu parles autrement, Alice, laisse. Pardon? Ok, donc Alice, pardon, mais tu prends tes affaires, tu rentres, et toi, Laetitia, mais mets-toi au travail, quoi! J'en ai marre qu'on se foute de moi dans cette baraque. Quoi? Quoi? Qui se fout de toi le jour de ton anniversaire, la chatoune? Ça, j'accepte pas, dis-moi. Pourquoi? Parce que les autres jours, c'est autorisé? Non, mais non, 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 mais bon, qui se fout de toi? Mais elles, là, elles en foutent pas une, et pendant ce temps-là, Jules fait leur exposé. Et les filles, c'est inacceptable, hein! Mais papa, c'est ça! Tu réponds pas à ton père, d'accord? Mon chatou de soeur, je m'en occupe, ça va saigner là. Ok, ouais. Merci. Non, parce que là, franchement, c'est nul, les filles. Non, non mais oh, oh, on est où là? Oh, c'est quoi ça? Alors? Le numéro de James Rosales, c'est bon. Oui, bravo, les filles. Moi, je suis pas d'accord. Et le respect dans tout ça, hein, c'est pas un hôtel ici, d'accord? Avec votre mère, on se saigne les cheveux en quatre pour votre éducation, ok? Alors, stop! Faut toujours que tu fasses un truc de trop. L'alcool, le fromage, la charcuterie. Oh! Eh, j'avais oublié de cocher la charcuterie, on a failli en prendre deux fois. Alors, les fruits. Non, non, Inzo, tu craches immédiatement. Attends, mais combien de personnes ont touché ces cerises? Et c'était peut-être des personnes qui se sont grattées la fesse. Ouais, peut-être même que c'est des personnes qui sortaient d'un pipe show qui sont venues toucher les cerises. C'est quoi un pipe show? Merci. Oui, Gabi? Une salle pour 50 personnes ce soir? Mais tu plaisantes, là? Ah non, mais mon bar, il est trop petit. Oui, attends, je te laisse, je te rappelle si je trouve une salle. Attends, tu plaisantes, là? Non, mais on les a nettoyés avant. Oui, et puis Nora, elle dit que c'est encore meilleur quand c'est gratuit. Ah ouais, d'accord, donc tu viens de lui apprendre le vol, une cerise, un abricot, un jour ça sera une pastèque. Tiens, alors, donne-moi le noyau, on ira payer à la caisse. Dis-moi que tu vas venir chanter, dis-moi que tu vas venir chanter, dis-moi que tu vas venir chanter, dis-moi que tu... Ah, Mignon. Tu m'as fait peur, tu... Viens carrément avec une trompette la prochaine fois. Hein. Bah pardon. Non, bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, je voulais juste te demander comment je m'habille un peu ce soir. Je sais que c'est une surprise, mais... Eh bah voilà, bah justement, bah, c'est une surprise, donc je ne peux rien dire. Non, mais quand même, tu peux pas me donner un ou deux petits indices, je sais pas, le lieu, les gens... Non, 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 ça c'est bien essayé, mais non, surprise. Non, mais j'ai compris, mais j'aimerais juste en savoir un petit peu. On aimerait tous en savoir un petit peu plus dans la vie. Oh, j'adore, tu fais des mystères, je suis tellement impatiente. Moi aussi. Attends, excuse-moi. Ah, faut que je réponde, hein, c'est important. Allô, oui, bonjour, merci. Oui, c'est moi qui vous appelais tout à l'heure. Voilà, je vous... Attendez, ne quittez pas. Bon, tu sais quoi? Prends ta journée. Voilà, ok? Alors ce jour, il est pour toi. Je m'occupe de la maison, d'accord? Ok. Wait 2 minutes, please. Tu parles anglais? Non, 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 allez, non, chatoune, fais-toi belle. Je te jure, ce soir, c'est la soirée de ta vie. Et puis pour l'instant, t'es pas à la hauteur. Sympa. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que si t'es moche, tu vas le regretter, je te connais. D'accord, j'ai bien compris. Mais non, mais là, t'es presque belle. D'accord, non, mais j'y vais parce que c'est Vincent. Mais oui, non, mais je t'aime. Moi aussi. Hi, I'm Gabi Martinet. Ok. Ah bon? D'accord. Ok, voilà, je suis Gabi Martinet. Bonjour, monsieur. Non, mais c'est bon, t'inquiète. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hé, hé, attends, maman, elle est partie, là? Ouais. Je viens d'avoir James Gonzalez sur téléphone. Oh, trop cool. Le mec d'une simplicité, il a fait 10 albums, il vient presque gratos. Trop cool. Ouais, je pense qu'il a senti que j'étais Zikos. Ouais, ça doit être ça. Ah, pas plus, mamie. Bah écoute, c'est ça qui nous a donné du souci. Oublier l'anniversaire de ta femme le jour de son anniversaire en plus. Oh là là. Bon bah alors je cuisine pour combien moi? Parce que je risque d'être précaire à qu'en fait-il, hein. Bah pour l'instant on est 8 en nous comptant. 8? Non mais attendez, sans déconner, je veux dire James Gonzalez, c'est pas pour faire un bridge avec mamie là. Bah non, surtout qu'il risque fort de se prendre une raclée, hein, parce que moi mon club de bridge. Bon bah oui, attendez, il faut faire venir du monde là. Bah c'est pas de ma faute si maman elle a pas d'amis, personne répond. Mais ouais, ça fait grave pitié, on sait pas quoi faire. Et bah non, il faut trouver quelque chose pour que les gens répondent. Je sais pas, sans déconner, on a tout, hein, on a la bouffe, le chanteur, on a... Ouais. Bon bref, on a presque tout, alors bougez-vous, là. Bah, on peut louer des figurants. Quoi? Non, rien, c'est bon, laisse tomber. On va trouver. Ouais, ouais, merci, hein. Bah, de toute façon, moi, je vais faire des pains surprise. C'est toujours un succès. Ouais, bah, maman, ils ont tardé d'être surprenants, parce que je vais dire que ce soir, il va y avoir du beau monde. Je vais mettre du jambon blanc, hein. Tout le monde s'attend toujours à du jambon cru. Bon, ta rockstar, elle a besoin d'une première partie. Non, non, papa, c'est ça va aller, je te remercie. Alors, ceci est un verre d'eau. Et j'applique un morceau de papier sur le verre. Et là, attention, crac, je transforme l'eau en matière solide. T'es prêt? Je te le prouve. Regarde. D'accord. Non, ouais. Ce soir, pas de magie. Non, mais j'avais pour le chapeau, là, parce que c'est vrai, quand j'ai le chapeau, c'est... Donc, je peux appeler Gabi pour lui dire que ton père nous prête une salle? Aucun problème, il est maire de sa commune, je te dis. Il m'a déjà filé plusieurs fois les clés pour faire des fêtes. Ce sera tout? Non, on a pris quelques fruits aussi. Mais monsieur, ça se paye au poids, les fruits. On reviendra payer quand on aura digéré tout ça, alors. Non, mais c'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. Attends, Enzo, c'est quoi, ça? Mais c'est Nora, elle a dit que je pouvais. Non, mais tu vas avoir des caries et perdre toutes tes dents. De toute façon, je vais les perdre, c'est mes dents de lait. Non, pas toutes. Bah, alors je ferai attention à les manger que sur mes dents de lait.
Non mais c'est pas drôle, Nora. Attends, c'est super sérieux les mailles des dents. Non mais détends-toi, lâche ton gosse. Attends, et tu me laisses éduquer mon fils, hein, s'il te plaît. Moi j'ai envie qu'il ait 32 dents et qu'il mange 5 fruits et 5 légumes par jour, mais lavé et payé. Alors tu fais ce que tu veux avec ta fille, mais je te demande de pas t'immiscer. Ok, très bien, je vais me désimmiscer, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, bah, ça se dit pas, au mieux on dit s'extraire, hein, ou s'extirper. Elle est partie. You make me smile. Gauche, non, droite, on reprend les coups. Jules, oh, s'il te plaît, là. Sans déconner, là, mets tes écouteurs, on s'entend plus, on a qui bosse. On a besoin de se concentrer, sérieux. Bah, regarde. Non, mais c'est trop bien, truc de fou. Non, mais c'est obligé, ça allait marcher, c'est trop non, bien. Mais c'est sûr, je t'avais dit. Il y aura plein. Et toi, tu filmes tout le monde, hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Bon, ok, papa, on reprend. Ah, you make me smile, tu fais en haut, en bas, gauche, droite. Ok, 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 ok. Donc c'est clap en haut, clap en bas, gauche, droite, clap en haut, clap en bas. Et c'est pas mal déjà pour un yeux, hein. Non, 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 bah, je suis complètement à la ramasse, Alice, sur les pouces-pouces, là, c'est n'importe quoi. Tu connais ta mère, hein, si c'est pas la perfection, on va se faire allumer. Ouais, il faut qu'on assure, de toute façon, vu qu'on envoie la vidéo à tous ses amis, faut que ce soit bien, quoi. Et d'ailleurs, il y a du monde. T'inquiète pas pour ça, Angèle. Tu m'étonnes comment il prend la nif de la daronne. Non, mais fille, sérieux, il y a du monde. Ouais, ah oui, t'inquiète. Okay. On va aller dessus, on va aller. You make me smile. Oh, en bas, à gauche, à droite, je l'ai. Oh là là, qu'est-ce que je vous envie. Oui, moi j'adore les anniversaires surprises. Ouais. Le meilleur, moi, c'est quand mon mari avait loué une péniche. Donc il y avait tous mes amis. Oh. Et il avait même réussi à retrouver mes parents biologiques. Oh là là. Bon, alors je savais pas que j'avais été adoptée, mais c'est l'attention qui compte, hein, comme on dit. Moi, il m'a fait une journée gastronomique. Mais internationale, hein. Ah bon? On a pris un café au Mozambique, puis après, on devait aller manger des pâtes à Rome. Ensuite, comme je bois pas de vin, on devait aller prendre un verre à Evian. Et puis, pour finir, on a mangé un cheesecake à New York. Oh là là! Bon, évidemment, j'avais oublié mes bas de contention, alors, si volant d'une journée, ça fait vite assurer. AVC, et puis, j'ai perdu l'usage de mes jambes, mais. Ah, quelle belle surprise! Je cherche un magazine. Je vais peut-être l'appeler quand même, moi, pour avoir une idée de précision, attends, parce que... Ah, Chatoun, je rentre dans mon costume de mariage. Je te jure, j'ai pas pris un gramme, un truc de malade. Je suis trop beau. Ouais, oh génial. Mais dis-moi, pour ce soir... Arrête d'essayer de deviner. Oh, je t'ai dit, ça va être la plus belle soirée de ta vie. Fais-moi confiance. Tiens, tu te souviens du meilleur anniversaire que je t'ai fêté? Tu te souviens? Le week-end à Barcelone organisé par ton CE. Ah bah, c'était génial. Oui, enfin, on était 154, mais oui. Non, mais là, c'est autre chose, là. Tu vas voir la chair de poule, hein. Commence à préparer les boîtes de Kleenex, hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Ok. Bon, bah, écoute, je vais te laisser une quoi? 13e, 14e change, je sais plus trop combien on en est. Non, hey, Chatoun, j'ai plein de choses à régler, là, pour que je te laisse, d'accord? D'accord. À ce soir, Mignon. Pouf, papa. Non, non, non. J'arrive. Patricia, qu'est-ce que c'est que ça là? Hey. Patricia, je vous parle. Hein. C'est qui? Patricia! Hé, hey, je vous parle, c'est qui lui là? Imran, Gabi, Imran. Non mais c'est quoi ça? De la déco. Vous vouliez que je m'occupe de la déco, non? Mais c'est pas de la déco ça, Patricia, c'est de la merde! Oh, écoutez Gabriel, cet homme n'a pas de RTT, pas de ticket restaurant. Il partage sans doute une brosse à dents avec le reste de sa famille. Ah non? Si, c'est une infection! C'est Gabi! Oh! Et lui, je l'ai trouvé en train de pleurer devant chez toi. Laura est partie, on s'est disputé avec. Mais bah, c'est pas grave, elle reviendra. Attendez, Patricia, on était différentes. Oui, mais attendez, marre une autre, c'est pas. Puis elle était pas si extraordinaire que ça. Du square là, il y en a 15 qui tombent des pommes. Ah non, bah, justement. Si. Oh, tu es poisson? Ah oui, de la truite. Mais fumée, c'est ça la surprise. C'est dégueulasse. Bon, bah, j'ai trouvé quelque chose de plus surprenant, hein. J'avais content, ce truc-là. Non, mais tu vois, moi, depuis la. Non, j'ai pas le temps, Serge, j'ai pas le temps pour ça, d'accord? Tiens, d'ailleurs, t'as les clés de la salle, là, parce qu'il y a Jess Gonzalez qui va débouler, faut qu'on installe le matos. J'ai pas les clés, c'était elle. On est séparés, je te dis, c'est fini. Non, Sergio, non, oh non, mais bon. Mais non, mais elle est géniale, cette fille, enfin. Comment t'as pu la laisser filer comme ça? Bat-toi, nom de Dieu. Non, tu disais que si on secouait... Mais elle est extraordinaire. Elle est dynamique, pétillante, originale, sensuelle, hein. Alors bouge-toi, va me chercher mes clés. Oui, mais moi, je suis pas... Oh, non, mais ils nous font peur, celui-là. Non, mais je vais vous dire, hein, vous êtes chiants comme tous les dimanches d'une vie. Merci. Lâchez-vous un peu. Enlève tes patins, ta naphtaline, ris, cours, vole, pète. Et arrête de chouiner, bordel. Attends, Sergio. Oh, et les courses? Je les ai oubliés sur le parking du supermarché. Vive l'amour! Super! Ouais. Alors, effectivement, c'est assez noir, mais c'est trop foncé, quoi. Oui, enfin, c'est le principe du noir. Parce qu'un noir clair, c'est du gris, en fait. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est très beau, hein, j'aime beaucoup. Mais je vous disais, comme on sait pas du tout ce qu'on va faire... Parce que là, par exemple, si on va dans un pays chaud, bah c'est trop chaud. Et si on fait un week-end en escalade,
ça n'ira pas avec un baudrier. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends que c'est une surprise, mais il y a un moment, il va falloir faire un choix, madame. Parce que le style casual chic trendy, escalade décontractée, court long, chaud froid, ça va être compliqué à trouver. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que je vais y aller en culotte, hein, parce qu'au moins ça, ça passe partout. J'espère qu'il vous emmène pas en Iran. Et puis je commence à coucher, hein. Ah ouais. Bon, j'y vais. Attends, papa, attends, quoi? c'est la mère. Il y a vraiment beaucoup de monde qui vient à l'anniversaire de maman. Oui, bah je sais, bah Sergio il est parti chercher les clés, moi je vais récupérer les courses. Laissez-moi du temps, sans déconner. C'est ça. Bonjour. Oh. Bonjour monsieur, je suis désolé, j'ai pas de monnaie. Tiens, ma chérie, tu veux pas lui donner un petit truc à manger? On va vous donner un truc à manger. Il pue, c'est une infection, le mec. James Gonzalez. You make me smile. Bon, alors, elle est où la loge, là? Que je chante pour Annabelle. Eh oh, fais péter la régie, elles sont où les putes, là? Oh. J'ai volé 4 cerises. Attends, la bouche pleine. On s'en fout. Il y a l'autre là qui répond pas, ça m'énerve. Bon, faut que j'aille faire un tour, les enfants. Est-ce que tu vois sous prétexte qu'on leur a emprunté des textes et puis un petit peu de mélodie, on va dire? Ils nous ont collé un procès au cul et c'était foutu pour les Why Not Maybe. Hein. Heureusement, il y a encore des abrutis pour m'appeler pour les anniversaires, sinon, dis donc. Ah, parce que tu te fais payer pour ça, toi? Bah, qu'est-ce que tu crois? Moi, je veux pocher les trous du cul sans te faire payer. Ah, dis donc. Ouais. Ah, c'est marrant parce que tu vois, moi, à mon niveau, hein, ouais. Mais je fais un peu de magie. Ah ouais? Ouais. Est-ce que Madame Sa Majesté veut bien se donner la peine de goûter mes nouveaux pains surprise? Non, c'est pas le moment. Là. Piment de Cayenne pur. C'est surprenant, ça, non? Oh! Bon, papa, sachant que maman a vraiment beaucoup d'amis, qu'on n'a rien à manger, pas d'endroit où aller, et que le chanteur est en train de se saouler la gueule avec papy, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Elle arrive. J'ai tout raté. Je suis un raté qui fait que des trucs de raté, donc. Et vous savez pourquoi je rate tout? Parce que je suis égoïste, lourd, flemmard et de mauvaise foi. Et si votre mère se rend compte de ça, bah... Quoi? On le sait déjà, tout ça. Ouais. Mais on t'aime quand même. Mais enfin, si je la perds. Parce que tu sais, Paul, des femmes qui nous plaisent, il y en a plein. Mais des femmes qu'on aime, il y en a pas beaucoup. Et votre mère, je l'aime. Bah, tu peux peut-être l'amener au restaurant où vous vous êtes embrassés pour la première fois. C'est hyper romantique, elle va adorer. C'est nul. Déjà, un truc nul que j'avais fait, ça. C'est l'Orient Express, le chinois dans le centre commercial Beau Soleil, là. C'était ringard, elle aurait dû s'en douter. Hein. Bah non, justement, l'Orient Express, c'est hyper grand. Et même un chinois sur un terrain vague, ça reste exotique. Non, mais t'es gentil, ma chérie, mais c'est foutu, là. Votre mère, elle va répliquer dans 2 minutes. Elle va tomber sur son idole qui fait une overdose. 3 pains surprise qui décollerait du papier peint et Sébastien Follin avec des ballons. Et bah justement, c'est génial, amène-la à l'Orient Express, comme ça, elle verra pas tout ça. Pff, c'est fini. Je vais me mettre en pyjama, je vais aller dormir, vous me reverrez en 2022. Bon, il est où, Jean Moulin? Quoi? On sait rien où il est, Jean Moulin. Papa, faut se battre, faut résister. On peut toujours dire non, ne pas subir. T'imagines si on s'était pas battu en 39-45? Si on avait abandonné, tu parlerais allemand aujourd'hui. Ouais, et nous, on comprendrait rien. Bah si, t'es bête ou quoi, on parlerait allemand aussi. Non mais il a raison, t'as envie d'être allemand, d'avoir du bide et de mettre des chaussettes dans tes tongs. Allez, debout, papa. Le devoir t'appelle. Il a raison. Dehors les boches! Bah non, c'est plutôt toi qui vas sortir pour amener maman au restaurant. En plus, on a fait le plein avec papy pour t'avancer, t'avais plus d'essence. Non, j'avais plus de gasoil, tu veux dire? Bah non, il y avait plus d'essence. Mais non, c'est un diesel, faut pas mettre d'essence, faut mettre du gasoil. Ah merde. Oh, je suis désolé. Paul, tu viens de me flinguer un moteur, là. Bon, bah de toute façon, au point où on en est... Taxi. Hé, hey, les enfants. Je vous aime. Allez, à nous de jouer. Jean. Bonjour. Wow. Alors, on va où? Bah, peu importe, hein, parce que la destination, c'est un peu nous. Ouais.
L'Orient Express. L'Orient Express ? On va à Venise ? Non, pas vraiment. Non, parce que moi, j'ai rien du tout, j'ai pas de valise. C'est pas plus mal, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est romantique, minou, là, le train couchette et tout. Puisque je te dis que c'est pas ça. Buongiorno, signor, voglio un amaretto, per favore. Oh, arrête, c'est chiant, chatoun, je te dis que c'est pas ça. Pardon, excuse-moi, non, mais je sais que c'est une surprise, pardon, excuse. Buongiorno tutti. Tchou-tchou. Je fais le train. Tchou-tchou. Ah oui, d'accord, cet Orient Express là, quoi. Tu vas ? Vaguement, ouais. Enfin, j'ai pas un souvenir impérissable, mais. C'est là qu'on s'est embrassé la première fois, quand même. Hein. Ah bon ? Ben, ouais. J'aurais su, je t'aurais embrassé à Venise. Tiens, je me souviens, je crois qu'on avait cette table là. Ah bon ? Non, c'était celle-ci. Je me souviens, c'était celle-ci. Que t'avais pris des nems. Oui, il y a de fortes chances, ouais. En tout cas, t'es très belle, Chadou. Merci. Joyeux anniversaire, madame. Sur la présentation de votre carte d'identité, la maison double gratuitement la ration de sauce de soja sucrée ou salée ainsi que les portions de nougat. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. T'as pris ta carte d'identité? Ah bah non, tu vois, c'est bête, j'ai oublié. Ça vous fait quel âge? Je vous appellerai, mademoiselle. T'avais prévu autre chose après le resto ou... Non. Ils font les nems à volonté, t'as vu? Tu peux en prendre plein comme ça, tu... Si, j'avais prévu quelque chose en fait. Ah bon? En fait, je devais danser, mais... Ah bon? Bah vas-y. Ouais, mais là... Pff, j'ai même pas la musique, là. C'est pas grave, on s'en fout. Franchement, là, on s'en fout. T'es sûr? Ouais, ouais, vas-y, vas-y, Mignon, vas-y. Ouais, ouais. Ah, pardon, excusez-moi. En fait, J'adore. Tu te moques? Non, je me moque pas du tout. Encore. Tu veux que je le refasse? Ouais, s'il te plaît. C'est moins de répétition, hein.
Mais bon, j'ai pas mal été aidé par les enfants. Oh là là, mes loulous ! Merci ! Oh là là, mais regarde, c'est qui, lui, là-bas, là ? Non, laisse tomber, je sais pas, c'est un vrai client. Bon anniversaire, ma chérie. Merci, mon amour. Avoir répondu à l'appel des enfants d'Isabelle Martinet, cette jeune mère de famille qui mène un combat contre la maladie. C'est grâce aux réseaux sociaux que la mobilisation a pu prendre. Maman, viens voir, on parle encore de toi aux enfants. Partout en France, des gens ont dansé, des villages les plus reculés jusqu'à l'Élysée. Allez, on reprend, Allez, je ne ferai plus croire aux gens que ma mère va mourir afin de pouvoir organiser sa fête d'anniversaire. Deuxième anniversaire, Lady. Merci, monsieur. Non, mais c'est adorable, je vous assure. Mais ma femme va très bien. Mais elle est à côté de moi, donc je peux vous dire qu'elle va très bien. Mais nous sommes touchés, voilà. Elle aussi, oui. Merci, monsieur. Voilà. Merci, merci. Au revoir, monsieur, au revoir. Le septième rein qu'on me propose. Non, mais ça commence à devenir lourd, cette histoire. Franchement, si je meurs pas dans l'année, les gens vont être très déçus, hein. Ah oui. Allez, c'est reparti. Allô ? Bonjour, monsieur.